Juliette, vous êtes prêts pour 2 minutes de trucs et astuces en direct d'Internet? Mon choix pour aujourd'hui, le développement durable, avec un tour d'horizon des déchetteries de la région. Pour vous, mesdames, des bijoux en argile et pour ces messieurs, des voitures électriques. On place le contexte. Samedi après-midi, vous venez de faire un grand nettoyage de printemps. Cave, grenier, garage, tout y est passé et vous vous retrouvez avec une tonne d'objets encombrants sur les bras. Une seule question, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, vous vous en débarrassez. Mais où? Dans une déchetterie? Mais où ça? Et c'est là que le site Annuaire Durable intervient. Dessus, vous accédez à toute la liste des déchetteries de la région et ils ont pensé à tout et à tout le monde puisque tous les villages sont cités dessus. Seul petit bémol, c'est un peu fastidieux pour tomber sur la bonne liste, mais quand on cherche, on trouve, non? Mesdames, vous êtes fashion, vous aimez les belles choses un peu décalées et un brin écolo de préférence. J'ai le plaisir de vous présenter le blog Delphi l'Elfe. La créatrice vous propose des bijoux en argile polymère. C'est une matière écologique qui se solidifie au four. Alors si vous avez des envies de féerie urbaine, je vous conseille vivement une petite balade sur ce blog. En plus de ça, la créatrice nous rajoute des petites anecdotes en dessous de chacune de ses créations. Valeur ajoutée ou pas, en tout cas, moi ça m'a bien plu. Messieurs, vous êtes passionnés d'automobile et l'environnement vous tient quand même à cœur. Je ne peux que vous conseiller le site automobilepropre.com. Dessus, vous pourrez suivre l'opération Vivre électrique, qui est menée par l'Alsacien Johan Nussbaumer, également conducteur de véhicules électriques depuis 2 ans maintenant. L'objectif de cette opération, c'est de rendre concrète l'utilisation de véhicules électriques pour tous. Alors si vous vous posez plus de questions, vous savez où ça se passe. Si vous aussi vous avez un site ou un blog sympa dans la région et que vous avez envie que j'en parle, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus de moi. Ne zappez pas, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour de nouveaux bons plans 100% web.